Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour s'ouvrir ensemble cette Elite Trainer Box Pokémon Go. C'est la première Elite Trainer Box que je vais ouvrir ce soir. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes à l'intérieur. On va découvrir ça ensemble, let's go, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est parti, débutons cette ouverture, let's go. Du coup l'Elite Trainer Box est juste ici, comme vous pouvez voir je vais la déceler et puis ensuite on pourra passer à l'ouverture. Nous avons du coup à l'intérieur, hop là, donc on va enlever ça en vrai déjà pour commencer. Waouh, il y a pas mal de trucs, hein. Il y a vraiment pas mal de trucs ici, il y a quoi? Ce sont des, oh, des protège cartes Mewtwo, les... oh c'est trop stylé ça par contre, ça c'est vraiment vraiment stylé. Une carte, oh là 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 là, une Mewtwo V Full Art. Ah ça c'est incroyable par contre. Avec le coffret, des énergies évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, des cartes, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on a ça à l'intérieur. Un code, voilà je vous le donne, tenez, c'est cadeau. C'est quoi cette chose là? Ah un petit V-Star, d'accord, sympathique, un petit pendentif peut-être, j'en ai aucune idée. DD, ok. Voilà, voilà tout ce qu'on a dedans. Ah, attendez, il y a des jetons aussi. Voilà. Et 10 boosters Pokémon Go, juste là du coup. Hop, on va décaler la boîte. 10 boosters Pokémon Go qui sont juste là. Aïe, 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 ça fait plaisir les gars ça en vrai. Donc voilà, du coup on va s'ouvrir ça ensemble ce soir. Et voilà, c'est carré. 4 Pokémon rangés les gars, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Allez les gars, on part sur l'ouverture des boosters. Ok les gars, c'est parti. Hop, on enlève la carte ici. Je vous le donne le code d'ailleurs, tenez. C'est pour vous, YouTube et Twitch, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on part sur le premier booster. Ok, c'est parti. On commence avec un petit Castorno, pardon. Carte très sympathique, déjà, pour commencer. Meltan. Magikarp. Avec un petit cap humain derrière. Salamèche. Oh, il est mignon, le Salamèche, les gars. Énergie psy, pardon. Migalos. Carabaf. Juste derrière, nous avons capitaine d'équipe Candela. Et on commencera avec une petite reverse, Tyranocif en reverse les gars, plutôt sympathique. Et juste derrière nous avons, et ça commence très très bien puisqu'on a une Mewtwo V pour commencer. Et ça fait extrêmement plaisir, on commence avec une petite V, très sympathique. Elle est jolie en vrai, elle est vraiment vraiment belle. Hop là, on la met sous blister, on commence très très bien, hein, la petite carte promo, la carte Mewtwo V qui tombe, ça fait extrêmement plaisir. Ok, on enchaîne, deuxième booster, c'est parti. Hop, le code pour vous, c'est cadeau. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4. 1, 2, paf, paf, paf. Alors, c'est parti, on commence avec un petit Natu, Capidex, Ramolos, Onyx, Salamèche, encore Salamèche, hein. Deuxième booster, on a Salamèche, on veut le Dracaufeu, nous, hein. Énergie métal, Céléroc, Air Bizarre, bon, elle est grave stylée, la carte, vraiment, elle est incroyable, je la trouve vraiment jolie. André Sandium, Pokéstop, juste derrière, en reverse, Capitaine d'équipe Spark, et on termine avec... Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? C'est une V Full Art, les gars, ou peut-être une Full Art alternative, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça sent très très bon. Je vous le dis. Attention. Découvrons quelle carte c'est. Et c'est le Beto Chef V Full Art alternative. Let's go! Oh, l'incroyable la carte, les gars! Elle est incroyable la carte. Elle est vraiment très très jolie. Beto Chef V Full Art alternative, ça fait grave plaisir, les gars. Je vais mettre ces cartes-là sur le côté. Hop, on va les mettre juste ici. Voilà, la petite Beto Chef. On la met là aussi. Et on enchaîne sur le prochain booster. C'est parti. Let's go. Tac, on fait la manip. Tenez le code, excusez-moi. Je vous le donne, de toute façon, je m'en servirai pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ça part sur un nouveau booster. Ok. Pois Chijon. Bulbizarre. Carapuce. Oh, elle est belle. Elle est trop belle, la carte. Queunotor. Onyx. Energio. Incubateur d'œuf. Reptincelle, oh là là, très sympathique aussi. Hein. En carte dresseur, nous avons un super bonbon juste derrière. Un Magikarp en reverse. Puis on termine avec un Florizarre holographique. Ouah, elle est trop trop belle la carte. C'est pareil, vraiment, cette collection, c'est une masterclass. Et le dernier booster, du coup, est-ce qu'il y aura au minimum une V pour vous dans le chat? Hop, le code, c'est cadeau. Bon, je vous le montre à l'envers, excusez-moi. Paf. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti avec un petit Ratata. Chamallow, Rattata, que d'Alola, Colombo, Ambrilex, Énergie Obscure, je ne sais pas exactement le nom de l'énergie, je ne m'en souviens plus. Xatu, très sympathique. André Sur, nous avons un capitaine d'équipe Candela, encore une fois. Juste derrière, Flagados. En reverse, du coup, Moduleur. Et juste derrière, ce sera un Tortank holographique. Ok, Florizarre, Tortank, il nous manque le Dracaufeu maintenant. Très sympathique ce petit Tortank, j'aime beaucoup. Allons, on enchaîne les gars. Hop, le code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Du coup, on commence avec un petit Ambrilex.
Juste derrière, nous avons un Rattata d'Alola. Mimigal. Pikachu. Oh, c'est mignon. Elle est sympa, la carte. Sauf Kipou. Énergie plante. Xatu. Capitaine d'équipe blanche. Solarok. En reverse, nous avons un Ramalos. Ramalos. Et juste derrière, un Melmetal holographique, si je ne me trompe pas. Oui, Melmetal holographique, très sympathique comme carte. On prend. Ok, on enchaîne, c'est parti. En tout cas, c'est un plaisir de voir ces boosters, vraiment. Je passe du bon temps, les gars, je vais pas vous mentir. On a eu de très bonnes cartes dès le début de l'ouverture, en plus de ça. Ça, c'est assez fou. On avait beaucoup de chance dès le début. Est-ce que la chance va nous suivre jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais en espérant, en tout cas. Code pour vous, c'est cadeau. Voilà, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On enchaîne, les gars, let's go. Avec un petit Meltan. On commence avec un petit Meltan sur ce booster. Evoli. Pikachu, vraiment, les cartes sont insane, les gars. J'ai trouvé vraiment très, très jolies. Carapuce. Castorno. Énergie électrique. Attendez, c'est moi où elle est buggée, l'énergie? C'est quoi ces trucs rouges sur les côtés, là? What the fuck? Capitaine d'équipe Spark. Migalos. En reverse, nous avons... Non, c'est pas la reverse. On a Steelix, du coup. Et c'est un Tortank radieux qui tombe! Let's go! C'est un Tortank shiny pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément. Enfin, c'est pas vraiment un shiny, mais c'est un radieux. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Un Ronflex holographique. Oh là 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 là, let's go! Le Tortank radieux qui tombe! Regardez-moi ça, comment elle est belle, la carte. Tra, ya, 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 ça fait extrêmement plaisir, ça. Tra, cette ouverture, elle est vraiment bien. Vraiment, on a beaucoup de chance et ça fait plaisir. Allez, hop, on l'a ajouté à la collection. Allez, dernier booster, du coup. Enfin, il nous reste encore 3 boosters après cela. Après celui-là, pardon. Le code pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2, je crois que c'est comme ça. Hein. Allez, c'est parti, Salamèche, Evoli, Natu, Capidex, Ola, Rattata d'Alola, la carte V-Star, Ola, mais qu'est-ce que je fais sur ce booster? Infect, oh là là, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Moduleur, Camerupt, en reverse, nous avons un petit Pikachu et... Un Léviator holographique. Oh, très belle cette carte aussi. Hein. Vraiment. Oh là 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 là. Cette masterclass, je vous jure, les gars. Vraiment, les cartes dans cette collection, je les surkiffe. Allez, il nous reste 3 boosters à ouvrir. On va les ouvrir tout de suite. Hop, ils sont juste là. Let's go. Très bonne ouverture pour l'instant. Ça, ça fait plaisir. Hop. Hop. Le code pour vous. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Let's go. Découvrons ce qui se cache dans ce booster. Et on commence encore une fois avec un petit Salamèche. Cap humain, Bulbe bizarre, Poichijon, Magikarp, Énergie combat, Reptincelle. Putain, j'ai l'impression d'avoir Salamèche et Reptincelle dans chaque booster. Infect. Le Vénard. En reverse, nous avons un Léviator, du coup, en reverse. Et juste derrière, Betochef en V. Ok, une nouvelle ultra rare qui tombe. Ça c'est nice en vrai. Une petite V, ça passe bien les gars. Ça fait toujours plaisir. 2 V, une V full art alternative, plus une radieuse. Bon, comment... Regardez-moi ça, cette ouverture, sans déconner. C'est quoi ça? Regardez ça. C'est beau. Allez, on enchaîne. Il nous reste 2 boosters. En espérant qu'on ait une masterclass là, ça ferait extrêmement plaisir en vrai. Le code qui est juste ici pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. On y croit. J'aimerais bien avoir un petit Dracaufeu holographique ou radio, ce serait incroyable. Magica, Cap humain. Je prends 2 cartes à la fois à chaque fois. Meltan, comme vous voulez. Carapuce. Colombo. Énergie feu. Capitaine d'équipe Candela, on l'a à chaque booster, lui c'est grave. Déflaisant. Céleroc. Ah, j'ai cru que c'était la dresseur, mais non, c'est la reverse. Je crois que je me suis trompé dans la manip. Et juste derrière, nous avons... Wesh, c'est quel gold que j'ai là? C'est quel gold? Quoi? Mais c'est la Mewtwo gold que nous avons ici! Mais what the fuck? Attendez, mais... Wesh! C'est quoi ça, frère? À quel moment? Je rêve! C'est quoi cette ouverture, honnêtement? Vraiment. OMG, les gars. Allez, le dernier booster, en espérant qu'on ait une petite dernière masterclass, là, pour nous régaler encore plus. C'est incroyable. Le petit code pour vous. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Allez, on termine avec une petite masterclass, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, après, j'en demande peut-être un peu beaucoup. On a déjà des masterclass de ouf, là. Et on commence avec un petit Castorno, du coup. Pikachu, c'est le dernier booster, les gars. Mimigal, Rattata d'Alola, Kenotor, Énergie Psy, Steelix, Xatu, Flagados. En reverse, nous avons un Capumain. Et on termine cette ouverture sur un petit Nymphali, holographique. Wow, elle est belle, hein. En vrai, la carte est magnifique. Ok, waouh, l'ouverture de Zinzin. Vraiment, les gars, c'est une ouverture de fou. Regardez-moi toutes ces cartes masterclass qu'on a eues. Sans compter la carte promo, bien évidemment. Nous avons eu un petit Mewtwo VMAX Gold, V-Star, pardon, Gold. Et ça, c'est juste insane. Avec un petit Betochef V-Full Art juste derrière. Un Tortank radieux, Mewtwo V et Betochef V. Vraiment, le Mewtwo Gold de là, il régale. Je suis extrêmement content de cette ouverture. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vraiment, ouverture masterclass, les gars. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, donner votre avis en commentaire et vous abonner. Je vous fais des bisous et ciao.